Shalom, Église du Seigneur. Méditons à propos de la grâce. Réfléchissons un peu. Que le Saint-Esprit nous ouvre encore l'intelligence et la compréhension afin de comprendre la grâce. Vous savez, s'il faut souffrir pour recevoir quelque chose, là, ce n'est plus la grâce. S'il faut se mortifier pour recevoir quelque chose, là, ce n'est plus la grâce. Si Dieu a prévu que tu reçoives une bénédiction, les obstacles seront ôtés. Pas question de casse-tête, car ça sera le problème de Dieu. De prendre soin de nous et enlever les obstacles. Enlevons dans nos têtes que chez Dieu c'est compliqué. Soit ce n'est pas la volonté de Dieu et que nous sommes en train de forcer. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, il est écrit, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le mariage ne doit pas nous faire souffrir tant que cet homme ou cette femme nous a été destiné. Et tant que nos partenaires nous ont été destinés, ils ne doivent pas nous casser la tête. Mais il peut arriver que nous avons l'homme de notre vie, la femme de notre vie, mais qui nous casse la tête. Ce soir, j'ai brandi la grâce pour vaincre ce contraste, cet obstacle, dans le nom de Jésus. Deux fois, nous sommes limités. Et des fois, nous focalisons nos prières. Rien qu'à nos intentions. Alors que il y a d'autres bénédictions au-delà de notre imagination, telles que nous ne les voyons pas, telles que nous pouvons aussi limiter notre prière parce que nous ne savons pas ce que le Seigneur nous réserve comme surprise du lendemain, surprise agréable. Avec la grâce, voyons au-delà même de nos attentes. Dieu nous attend avec des surprises au-delà de nos requêtes, au-delà de nos projets, au-delà de notre imagination. Avec la grâce, les choses étourdissantes deviennent à notre portée et à notre quotidien. Oh, la grâce! C'est ainsi que Marie pouvait concevoir sans un homme pour dire que si Dieu veut accomplir quelque chose sur quelqu'un, sur qui il a un projet. Dieu n'est pas contraint par la logique des choses. Il lui suffit seulement de parler. Marie a conçu pour dire encore que Dieu a ses moyens au-delà des moyens des hommes. Pour dire que Dieu n'est pas dans la routine. Quels sont les moyens que Dieu a utilisés pour surprendre Marie et la bénir? L'Esprit. Parce que l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et de deux, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Donc, nous comprenons pourquoi. Aux ossements desséchés, on a dit,
parle à l'esprit. Et pourquoi à l'esprit? Parce que devant nos défis, tenons compte de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Devant toute circonstance chaotique, l'Esprit de Dieu est capable d'aller au-delà. C'est vraiment un avantage pour nous de bénéficier de la grâce de Dieu qui s'accompagne de l'Esprit, comme le fut le cas de Marie. Quand l'Esprit intervient, l'Esprit de Dieu, il nous sera avantageux parce que nous vivons dans un monde des esprits. Il nous faut aussi un esprit que nous appelons un esprit supérieur, le Saint-Esprit. C'est pourquoi on a dit devant les ossements desséchés au Fils de l'homme, parle à l'Esprit. Alors, comment parler à l'Esprit? C'est ça notre méditation d'aujourd'hui. Comment parler à l'Esprit? L'Esprit, c'est la solution pour un miracle assuré. L'ombre du Tout-Puissant va nous couvrir. Nos vies vont changer dans le nom de Jésus. Des fois, nous ne savons quoi dire dans nos prières parce que nous ne savons pas voir la gloire que la grâce nous réserve pour le lendemain. Alors, l'Esprit nous aide et intercède par des soupirs inexprimables. Parce que l'Esprit de Dieu connaît notre formule. La formule que nous ignorons pour émerger, la formule que nous ignorons pour guérir, la formule que nous ignorons pour nous épanouir, pour survivre. L'Esprit de Dieu connaît la formule. Alors, parle à l'Esprit. L'Esprit de Dieu est au-delà de tes forces. Le Saint-Esprit est là. Comme il est écrit, ce n'est ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu te promet, il y a des choses que la grâce apporte pour exécuter. Là, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Tout-Puissant qui entre en action afin de proclamer, rendre possible l'exécution. Oh, bien-aimé, dis un mot, souffle à l'Esprit, dis Seigneur, apprends-nous à te parler. Dis encore, Seigneur, nous avons des problèmes, couvre-nous de ton ombre. Et disons encore et encore, Seigneur, nous avons des problèmes sans solution. Couvre-nous de ton ombre. Au nom de la grâce de Dieu, bien-aimé, disons, je refuse les tracasseries de la vie pour recevoir quelque chose. Qui a dit que pour recevoir, nous devons nous tracasser? Alors dites après moi, je refuse la souffrance. Car notre Dieu est un Dieu responsable. Dites après moi, je ne me battrai plus pour gagner la vie. Je ne me battrai plus pour gagner la vie. Je ne me battrai plus pour gagner la vie. Je ne me battrai plus pour gagner la vie. Je ne me battrai plus pour gagner la vie. Bien-aimés, nous avons des questions. Face à nos questions, nous nous disons comment réussir, comment m'y prendre. La grâce te répond, la grâce te dit, ce n'est pas ton problème. La grâce te dit, c'est mon problème. C'est le problème de la grâce. C'est à la grâce de nous apporter la solution.
Alors, dis, Saint-Esprit, prends ces dossiers. Dis, Saint-Esprit, prends contrôle de mon problème. Dis, Saint-Esprit, touche-moi seulement. Saint-Esprit, entre dans cette affaire. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons dans la Bible des personnes telles que de Daniel, telles que de Joseph, nous remarquons une précision biblique qui dit que ces gens avaient un esprit supérieur. Voilà pourquoi ces gens ont marqué même des rois. Nous vivons dans un monde des esprits, proclamant aussi un esprit supérieur, un esprit meilleur qui est le Saint-Esprit. La grâce marche avec le Saint-Esprit, alors tu dois avoir un esprit supérieur pour qu'aucun homme, qu'aucune femme ne te domine dans le nom de Jésus. Pour que rien ne te résiste dans le nom de Jésus. Pour que les lois de la nature soient brisées dans le nom de Jésus. Pour que tu brises tes limites et tes liens au nom de l'Esprit, l'Esprit de Dieu que nous recevons par la grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de suivre une petite méditation sur le Saint-Esprit que la grâce nous donne avec le berger Moïse Louchikou, visionnaire de Messianic International Church. Pour tout contact, l'indicatif 243 8484 70669. Alors, soyez bénis et que les grâces infinies de Dieu surabondent dans vos vies. Amen.